Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère évangéliste et écrivain conférencier Éloge Ekissi. Ce matin, j'ai décidé d'exécuter quelques prières de combat spirituel avec vous. Le combat dans la vie est une chose dont l'on ne parvient pas à se séparer pour la simple bonne raison que l'on doit se battre pour tout obtenir, se battre pour vivre, se battre pour survivre, se battre pour atteindre ses buts, se battre pour rester en vie, se battre pour obtenir des choses, se battre pour les garder, se battre pour les conserver et autres. Donc, le bonheur de la vie semble être une chose à la conquête de laquelle l'on sera toujours et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Mais l'une des choses qui rend encore la vie difficile et même très pénible est l'incapacité de l'homme à franchir les barrières et les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ce bonheur. Et parfois, c'est encore plus difficile lorsque l'on décide de régler certains problèmes et ne parvient pas à y arriver tout simplement parce qu'il n'a pas la bonne formule pour y arriver. Et l'un des problèmes avec lesquels nous nous battons quotidiennement et qui empêchent beaucoup d'atteindre leur but est le problème de la sorcellerie. Pour vous aider à remédier à cela, j'ai décidé de partager quelques points de prière de mon nouveau livre « Né pour combattre le diable » avec vous, car c'est un livre qui a été conçu pour des cas tels que ceux que beaucoup d'individus traversent, les cas de sorcellerie, l'oppression, la jalousie, la haine, la méchanceté humaine qui pousse certains à en vouloir à leurs semblables, à les détruire, à les oppresser, à les bloquer, à les freiner et à les traîner dans la boue, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas les voir réussir. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'être confronté à des difficultés, des souffrances, des choses qui parfois ne peuvent même pas s'expliquer et c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir progresser. Que vous ayez été victime de ces choses ou non, pour moi, la vie reste une succession d'événements d'où nous ne pouvons jamais prédire ce qui peut arriver un jour ou l'autre. Car la Bible même nous dit que à chaque jour suffit sa peine. Donc, pour éviter que vous soyez face à des difficultés, des obstacles, des choses ou que vous soyez affecté par ces choses qui empêchent beaucoup de personnes de progresser, j'ai décidé de faire ces prières de combat spirituel pour vous, avec vous et pour permettre à tous ceux qui vont recevoir par moi ou par votre intermédiaire de se délivrer de certaines choses que la sorcellerie fait pour bloquer les enfants de Dieu. Bien-aimés, pour exécuter ces prières en bonne et due forme,
vous devez suivre la procédure que j'ai établie pour vous permettre de bien l'exécuter. Cette procédure consiste à faire une pause si vous entendez une prière qui vous intéresse. Par exemple, je brise le pouvoir de la reine des côtes qui influence ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous faites une pause et vous prenez au moins 2, 3, 4 à 5 minutes sur la prière avant de poursuivre. Et après, vous êtes assuré de l'avoir bien exécuté. En ce moment, vous laissez l'audio couler jusqu'à la prochaine prière. Encore une fois, vous faites une pause, le temps de bien exécuter avant de continuer. Cela vous permettra non seulement de maîtriser et d'apprendre à formuler des prières, mais aussi de bien traiter le problème auquel vous faites face. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de conserver l'audio dans un fichier ou dans un dossier d'où vous pourrez revenir de temps en temps pour l'exécuter. Pour ne pas perdre vos audios qui vous sont précieux, je vous conseille de les sélectionner dans votre liste d'enregistrement pour ceux qui ont un téléphone Android et de créer un dossier de lecture qui vous permettra de temps en temps de prendre vos prières et de les exécuter. Ne les laissez pas au hasard car parfois lorsque vous voulez vider votre téléphone ou le rendre un peu léger pour pouvoir recevoir d'autres audios ou informations, vous pouvez les perdre. Maintenant, mon petit conseil, puisque actuellement je suis à Nancy de passage pour une conférence de 4 jours et que malgré qu'il est présentement 4 heures du matin, je suis debout dans l'intention d'aider les enfants de Dieu à se protéger, je vais enregistrer cette note vocale pour vous. Mais mon petit conseil, c'est de partager avec les gens de votre répertoire. Partagez à autant de personnes que vous pouvez, de sorte à contribuer, tout comme moi, à aider les gens à avancer. Ces prières me tiennent à cœur et j'ai décidé de les partager en les tirant de mon nouveau livre « Né pour combattre le diable ». Nous allons d'abord partir avec quelques confessions de la Bible que j'aimerais que vous fassiez avec moi. Puis ensuite, nous allons entamer la bataille comme il se doit. Donc vous répétez avec moi, vous faites une pause et après avoir bien exécuté, vous continuez. Ou vous laissez couler. Mais si vous êtes confortable avec mon rythme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle j'exécute ces prières, vous pouvez laisser couler pour bien vous concentrer. Répétez-le à haute voix ou à voix douce. Tout est important pour vous que vous soyez concentré jusqu'à la fin de la prière. Si vous voulez atteindre un but précis, reprenez les prières et tentez de les adapter à votre situation. Car il se peut que ces situations que je traite ne soient pas nécessairement ceux auxquels vous faites face, mais certainement, vous pouvez toujours réadapter les prières, les reformuler. Si par exemple, je dis que toute reine des côtes qui contrôle ma vie soit foudroyée et me libère dans le nom de Jésus, vous pouvez aussi reconvertir la prière en disant que tout agent du diable qui contrôle ma vie soit foudroyé et me libère dans le nom de Jésus. Mon but, c'est de vous apprendre à prier contre les forces des ténèbres, mais sachez que un point de prière que l'on vous donne peut donner lieu à d'autres points de prière du moment où vous décidez de mettre en pratique votre esprit de créativité. C'est-à-dire que vous écoutez et après, vous essayez de reformuler à plusieurs reprises, de réadapter. Par exemple, je donne un point de prière concernant la sorcellerie, mais vous, pour bien apprendre ou pour bien exécuter, vous reformulez cette prière en ajoutant beaucoup de domaines de votre vie. Si par exemple je dis que toute personne qui utilise des armes magiques, de la sorcellerie pour me combattre, soit foudroyée et décapitée par le tonnerre, vous pouvez aussi dire que tout agent des ténèbres, que tout marabout, que tout ennemi de ma vie, que tout individu, que tout oppresseur, que toute force des ténèbres, vous voyez, vous pouvez varier la prière pour arriver à l'apprentissage. Cela va développer votre esprit de créativité et fera en sorte que, à partir d'un seul point de prière, vous pourrez en faire 1000. C'est ça l'objectif que je veux atteindre. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné une grande capacité d'apprentissage et d'improvisation, une capacité à formuler des prières sans réfléchir,
à donner des prières qui s'adaptent à une situation typique et à n'importe quelle situation, parce que j'ai développé ce art de la guerre spirituelle qui me permet aujourd'hui de vous partager n'importe quelle prière. Je peux prier pendant 10 heures sans m'arrêter, et ce, sans même manquer de prière. Et je suis inspiré. Tant que j'ai la force de me tenir debout, je peux encore prier. Vous l'avez vu lorsque nous avons fait notre prière de 7 heures de prière sans nous arrêter. Pas pour me glorifier, mais tout simplement pour vous dire que vous pouvez vous améliorer dans la prière, pourvu que vous amusez à faire travailler votre mémoire, à réfléchir, à improviser, à adapter, à réadapter, à formuler, à reformuler. Alors, cette petite session de prière ou d'apprentissage ou de formation va aller avec quelques points de prière, mais n'oubliez pas que vous pouvez réadapter les prières à n'importe quelle situation pour pouvoir toucher vos buts. Je peux donner un point de prière concernant un mari de nuit, mais pour vous, ça peut ne pas être un mari de nuit qui vous combat, ça peut être une femme de nuit. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, un esprit de serpent, un dragon, un sorcier, un méchant, un oppresseur, un homme fort, peu importe la situation. Vous devez apprendre à réadapter vos prières et vous allez voir que vous serez tellement efficace et même insaisissable que même le diable vous craindra. Alors, nous allons partir avec les points de prière, des points de prière formidables et foudroyants pour l'ennemi. Mais vous devez d'abord les exécuter, n'oubliez pas, les exécuter pendant une bonne période de temps en suivant le procédé que je vous ai demandé d'élaborer, d'appliquer et d'adapter et d'inculquer à votre mode de vie de prière. Ceci est une prière de guerre spirituelle. Ce n'est pas une prière de demande spécifique où l'on n'a pas forcément besoin de lever la voix pour dire « je bombarde l'ennemi, Seigneur ». Mais c'est une prière de guerre spirituelle. Parce qu'une prière de guerre spirituelle contre les forces des ténèbres ne doit pas être exécutée avec la même attitude que lorsqu'on vient devant Dieu. Lorsqu'on vient devant Dieu pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de temps », là, on le fait avec l'humilité. On ne peut pas dire à Dieu « Seigneur, j'ai besoin de mariage, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur ». Non, non, on ne donne pas d'ordre à Dieu. On vient au devant de Dieu et on dit « Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, je te loue, je t'adore, je te magnifie. Je te rends gloire parce que tu es le seul Dieu capable de me donner le mariage. Éternel, pardonne-moi pour mes erreurs et ouvre-moi les portes du mariage. » Avec Dieu, on parle avec humilité, mais avec Satan, on parle avec autorité. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Jésus-Christ fut arrivé devant la tombe de Lazare, il a glorifié Dieu, il a loué, « Père, je te rends gloire parce que pour moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. » Et au moment de parler à Lazare, il a haussé le ton. Mais par contre, lorsque Jésus-Christ est devant un démon, il dit au démon, « Je te l'ordonne, sors de ce corps et ne rentre plus. » C'est-à-dire que quand c'est le cas du combat spirituel, il prend autorité sur la situation parce que c'est lui le maître. Mais lorsqu'il est devant le Père céleste, il parle avec humilité. Beaucoup d'enfants de Dieu font des erreurs telles que « Oui Seigneur, si tu ne me bénis pas, je te suis plus. Si tu ne me bénis pas, je vais dans le monde. » Excusez-moi, c'est une erreur fatale parce qu'on ne se fout pas de Dieu. On ne peut pas donner d'ordre à Dieu. Comme la Bible le dit d'ailleurs, il ne rend compte à personne. Il ne fait d'acception à personne. Devant Dieu, vous devez être humble. Devant Dieu, vous devez être doux. Devant Dieu, vous devez vous soumettre. La Bible déclare que nous devons lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous devons supplier Dieu quand nous sommes devant lui. Mais lorsque nous sommes devant le diable, nous devons prendre autorité. Lorsque nous sommes devant les blocages, nous devons prendre autorité. Lorsque nous sommes devant des murs, nous devons prendre autorité. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Regardez le soleil. Josué a dit au soleil, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi la lune, sur la vallée d'Ajalon. » Il a pris autorité. Cette autorité spirituelle, beaucoup ne l'ont pas, parce qu'ils confondent tout, ou parce qu'ils sont restés dans des églises où on leur a appris à faire seulement que des récitations, d'où ils ne savent même pas ce qu'ils ciblent, ils ne savent même pas pourquoi ils le récitent, pourquoi. La prière, ce n'est pas, une récitation. La prière, c'est demander quelque chose à Dieu, ou prier pour le déblocage de quelque chose, prier pour régler un problème, prier pour chasser un esprit, prier pour décanter une situation, prier pour atteindre un but. Donc, en fonction de votre situation, vous devez adapter votre attitude et votre prière, votre résolution, votre engagement. Quand vous êtes dans le péché, vous vous humiliez et vous reconnaissez devant Dieu que vous avez péché. Comme David l'a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché, aie pitié de moi, tu vois. Là, David dit,
demande pardon à Dieu, il reconnaît ce qu'il a fait, il reconnaît qu'il a péché, il reconnaît qu'il a failli, il demande une seconde chance, alors il est obligé de négocier avec Dieu, de supplier Dieu, de demander pardon pour son mal, pour son erreur, pour sa faute. Beaucoup ne le comprennent pas, ils se mettent devant Dieu, ils parlent avec arrogance, ils parlent avec impolitesse, ils menacent Dieu, ils disent oui, Seigneur, non. Même si je dois faire une prière d'autorité pour mettre Dieu à l'épreuve, la prière doit être faite avec des principes précis. Et je veux faire comprendre à Dieu que je ne suis pas arrogant envers lui, mais je veux tout simplement le mettre à l'épreuve. En disant, Seigneur, par exemple, oui, ta parole déclare que tu as sorti Israël d'Égypte et aujourd'hui je te demande de me sortir de mon Égypte personnelle, de me sortir de la main des pharaons personnels. Oui, Seigneur. Si tu es vraiment Dieu comme je crois, démontre-le-moi car je sais que tu es Dieu. Montre à mes ennemis qu'ils ne sont rien. Seigneur, combat pour moi afin que ton nom soit glorifié. Ça, c'est une prière par laquelle je vais mettre Dieu à l'épreuve. Mais je ne viens pas pour donner des ordres à Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te suis pas. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je retourne dans le monde. Si tu es Dieu, pourquoi je souffre? Blablabla. Non, il y a plein de personnes qui ont une attitude qui, devant Dieu, déjà fait que Dieu ne veut même pas les écouter ni leur répondre parce que elles ont une attitude d'arrogance, d'impolitesse, d'insolence et autres. Et ces personnes croient prier, mais en réalité, elles offensent Dieu et leur prière ne monte pas à Dieu. Vous devez vraiment faire attention. Comme je l'ai dit, mon but, c'est d'apprendre aux enfants de Dieu à prier. Et même ceux qui veulent, mais que ce soit des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui veulent recadrer les choses. Parce que je vois plein de personnes qui disent, mais je suis Dieu, je le sais, je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais j'ai des blocages. C'est tout simplement pour vous dire que on peut être ignorant sans le savoir. On peut manquer de connaissances sans le savoir. On peut, en tout cas, ne pas comprendre certaines choses parce que la Bible dit clairement que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Ce ne sont pas des païens qui périssent. Ce sont des gens qui ont décidé de suivre Dieu, qui se sont engagés pour Dieu, qui veulent vivre pour Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent faire tout pour Dieu, qui sont appelés peuple de Dieu, mais qui, malgré qu'ils sont peuple de Dieu, meurent, souffrent, sont bloqués, tournent en rond, parce qu'ils ne savent pas demander à Dieu, parce qu'on ne leur a pas enseigné les grands secrets du combat spirituel, les principes, vous voyez, parce que le diable et ses agents nous ont tellement étudiés qu'ils ont décidé d'élaborer d'autres stratégies. Donc, nous aussi, avec l'aide de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous donner des connaissances stupéfiantes de la guerre spirituelle, du combat spirituel pour déjouer les plans de l'ennemi. Sans quoi, un ennemi qui ne cesse pas d'échanger ses ruses, un ennemi qui ne cesse pas d'échanger ses stratégies. Aujourd'hui, tu combats avec le mari de nuit, demain, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est l'envoûtement, demain, tu vois des morts et autres. Si tu n'arrives pas à cerner le mode opératoire de cet ennemi, comment tu peux le vaincre? Ou bien si tu n'arrives pas à avoir une capacité à t'adapter dans le combat spirituel, à formuler des prières en fonction de ce que tu vois. Aujourd'hui, tu fais un rêve de cauchemar. Tu peux être en mesure de dire que tout rêve dans lequel on m'a donné à manger soit détruit et j'ai détruit l'oppresseur de ma vie qui fait cela. Ça dit que n'importe quelle situation que Dieu révèle peut être un sujet de prière pour la raison que pourvu que la personne concernée sache formuler, soit formé pour formuler ou sache adapter ses prières. C'est ce que je veux vous apprendre à faire. Et c'est d'ailleurs ce que mes 4 livres vous apprennent à faire. Si vous voyez que mes livres sont beaucoup convoités, beaucoup vendus, beaucoup demandés partout dans le pays, jusqu'en Australie, en Océanie, en Asie, un peu partout, c'est tout simplement parce que les gens ont compris que, contrairement aux gens qui écrivent des livres, ce n'est pas pour les dénigrer, pour juste raconter une histoire et donner des points de prière. Moi, je veux aller plus loin dans le combat spirituel. Je veux élaborer des situations qui s'adapte exactement à ce que nous voyons, ce que nous vivons et autres. Parce que beaucoup ont écrit sur la base de principes simples. Et j'ai pris plein de livres, des centaines de livres, et j'ai analysé. Et j'ai vu qu'il y a désormais certaines situations auxquelles nous faisons face, dont les gens ne tiennent pas compte. Beaucoup témoignent du fait qu'ils ont été sorciers, mais ils ne disent pas aux gens ce qu'ils vont faire, ce qu'il faut faire pour sortir de leurs problèmes. Beaucoup disent qu'ils étaient dans la franc-maçonnerie. Oui, fuyez, priez, apprenez aux enfants de Dieu à prier, mais bon. J'ai décidé plutôt d'analyser ce qu'ils ont fait dans le passé, de réfléchir à ça, de les écouter, leurs témoignages sur Internet pour dire, mais ce sorcier a confessé avoir fait ça. Et si on pouvait formuler une prière pour cela, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? C'était plutôt d'écouter son témoignage et de l'adapter
C'est comme quand quelqu'un dit que pour tuer un homme, la sorcellerie va écrire son nom dans ce qu'on appelle un livre d'exécution. Alors moi, je vais aller récupérer cette information et dire que toute date de mort fixée contre moi dans le livre d'exécution de Satan soit brisée et annulée. C'est-à-dire que en écoutant, le Seigneur m'inspire pour remédier au problème qui a été posé. Tout comme les gens qui ont été condamnés à souffrir, dont les noms sont dans les livres de condamnation, ou certaines familles ont des livres, des encyclopédies spirituelles ou mystiques dans lesquelles les condamnations de la famille sont écrites, où ils ont dit dans cette famille, on ne veut pas voir quelqu'un se marier, dans cette famille, on ne veut pas voir telle personne aller quelque part, dans ce village, il y a telle loi. Donc, ils ont des livres, des documents, des décrets, des contrats sataniques qui interdisent un certain nombre de choses. Donc, les gens comme ça vont dire, bon, je combats la sorcellerie, mais tant que le contrat, le décret et les condamnations qui sont écrites dans le livre à l'encontre de la personne ne sont pas détruites, cela demeure parce que tu vas aller briser une malédiction. Mais quand les forces des ténèbres vont consulter dans le spirituel, ils vont voir qu'il y a une loi qui subsiste toujours. Donc, elles vont voir qu'il y a une loi qui est là dans cette famille et certains autres démons, même si les premiers démons ont été chassés, certains autres démons vont revenir pour exécuter la condamnation. Même si quelqu'un est mort, même si le plus grand sorcier est mort, quand un autre sorcier va naître dans la famille des années plus tard, le même sorcier va consulter les archives de la famille et exécuter encore la loi qui est là. C'est ce qui fait que vous allez voir que au fil des années, les problèmes ne finissent pas parce que tous les sorciers qui viennent dans la famille ou tous ceux qui naissent de génération en génération ont un cheminement, ont comme ce qu'on appelle un cahier de route, une feuille de charge à exécuter qui dit que dans cette famille, voici ce qu'on a interdit, voici ce qu'on a interdit. Et vous allez voir que les mêmes problèmes se répètent au fil des ans. Et ce, parce que personne ne tente de comprendre que pour que ces problèmes prennent fin, il faut consumer le livre de condamnation. C'est-à-dire le contrat, briser l'alliance, détruire les archives du monde des ténèbres. Par exemple, en disant que tout document de condamnation dans lequel les condamnations, les souffrances que ma famille doit subir ont été écrites, soit consumé au nom de Jésus. Que tout document de condamnation mystique dans lequel il est écrit que je ne connaîtrai pas le bonheur du mariage soit consumé. Et quand vous faites ça, vous battez les mains, j'envoie le feu pendant des heures, vous brûlez cela. Vous pouvez aussi dire que toute loi en vigueur dans ma famille soit brisée, soit consumée, soit ravagée. Si vous ne touchez pas le problème à la racine, vous allez croire que vous êtes en train de prier. Vous allez dire que vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mais tant qu'un seul domaine de votre vie est incompréhensible, ou bien tant qu'un seul secret vous manque dans la vie, vous êtes tout de même ignorant ou ignorante. C'est la raison pour laquelle je vous donne ces enseignements. Puisque Dieu m'inspire beaucoup, Dieu me parle beaucoup, Dieu me donne la capacité à comprendre beaucoup de choses. Il en fait aussi pour beaucoup d'autres enfants de Dieu. Mais moi en particulier, pour ceux qui m'écoutent et pour ceux qui me suivent, je veux qu'il ne manque d'aucune connaissance. Alors, maintenant que j'ai fini de vous enseigner, de vous expliquer ce que le Seigneur m'inspire, je ne suis même pas en train de regarder dans un document, mais il m'inspire pour vous. Mais le peu que j'aimerais vous demander de faire après avoir écouté cet enseignement gratuit que je suis en train de vous donner depuis France à Nancy, étant donné que je suis en conférence pour 4 jours ici, alors je suis de passage, mais je préfère faire cette note vocale parce que je veux parler à la vie de quelqu'un. Le peu que vous puissiez faire pour m'aider, c'est que chaque fois que vous êtes en train de l'écouter, que vous le partagez pour aider aussi quelqu'un. Si je n'avais pas vraiment envie de vous aider, il y a des gens qui me demandent des prières, prie pour moi, bien-aimé, je ne peux pas prier pour 1 milliard de personnes, c'est impossible. Imaginez des milliers de personnes, mon téléphone sonne chaque minute, mes 3 téléphones ne cessent pas de sonner. Et moi, pour remédier à cela, je veux vous donner de quoi pêcher, plutôt que de vous laisser vous contenter de quelques minutes de prière qui parfois ne touchent pas le problème parce qu'on n'a pas le temps. Je veux vous rendre indépendant. Je veux vous aider. Je vais vous donner les armes. Je vais vous donner les audios. Je vais vous donner ces prières pour que vous appreniez à prier. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui puisse prier mieux pour vous que vous-même. Alors, en recevant cette note vocale, partagez-la. S'il vous plaît, partagez-la. Et cette prière que je vais faire, c'est pour ceux et celles qui vont partager. Chaque fois que tu partages cette prière, chaque jour, chaque instant, que le soleil se lève toujours en ta faveur, que le bonheur soit ton partage, que la richesse soit ton partage,
aussitôt que tu partages cette prière, et chaque fois que tu la partages, je prie que Dieu envoie aussi des gens qui vont partager leur richesse avec toi, leur bénédiction avec toi, leur faveur avec toi, que de bonnes choses avec toi. Je te bénis alors que tu partages cette prière, et je te bénis alors que tu m'aides à évangéliser. Que Dieu ne t'oublie pas et que Dieu se souvienne de toi. Si à l'instant même tu souffres d'une maladie, que cette maladie guérisse. Si tu es bloqué, sois débloqué. Si tu es en retard, que Dieu te donne la possibilité de rattraper le temps perdu. Sois béni. Maintenant, on va faire les prières. Répète avec moi. Seigneur Jésus, il est écrit en ta parole que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est écrit en ta parole que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Aujourd'hui, je condamne toute arme de la sorcellerie forgée contre moi depuis le monde des ténèbres et sur la terre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne à l'échec toute arme de la sorcellerie forgée contre moi depuis le monde des ténèbres et sur la terre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne à l'échec, je condamne et j'ordonne à toute activité du monde des ténèbres qui ont eu lieu dans l'eau, sous terre, sur terre, comme au ciel, et je les brise au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne la parole de tout ami qui souhaite que je souffre et je la brise au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne les insultes de toute personne qui ne m'aime pas et cherche à me détruire au nom de Jésus. Aujourd'hui, je condamne toute malédiction qui existait dans ma famille et je la brise pour toujours au nom de Jésus. Car il est écrit que toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Aujourd'hui, moi, vous dites votre nom, par exemple, moi, Éloge Ekissi, je condamne toutes les malédictions qui me freinaient et je leur ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le royaume des ténèbres pour mes nuits au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi dans le monde des ténèbres pour mes nuits au nom de Jésus. Je brise et me libère de tout rituel de la haute magie et de la magie rouge que la sorcellerie utilise pour me combattre au nom de Jésus. Je brise et me libère de tout rituel de la haute magie et de la magie rouge que la sorcellerie utilise pour me combattre au nom de Jésus. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi pour affaiblir mes finances et ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout rituel de la haute magie pratiqué contre moi pour affaiblir mes finances et ma vie de prière au nom de Jésus-Christ. Répétez ceci avec autorité. Je brise tout rituel de la magie rouge pratiqué contre mon âme, mon esprit et mon corps et le retourne contre son expéditeur au nom de Jésus. Je brise tout rituel de la magie rouge pratiqué contre mon âme, mon esprit et mon corps et le retourne contre son expéditeur au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout démon méchant qui a été invoqué contre moi de retourner contre son envoyeur et de le détruire au nom de Jésus. J'ordonne à tout démon méchant qui a été invoqué contre moi de retourner contre son envoyeur et de le détruire au nom de Jésus. Que tout rituel fait contre moi avec le sang, le feu et du sable soit brisé et annulé au nom de Jésus. Que tout rituel fait contre moi avec du sang, du feu, du sable et de l'eau soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je condamne et je détruis toute parole prononcée contre moi accompagnée du sable, du sel et du sang au nom de Jésus. Que tout rituel qui a été fait contre moi avec mon nom, ma photo et ma date de naissance soit détruit et annulé au nom de Jésus. Que tout rituel qui a été fait contre moi
avec mon nom, ma photo et ma date de naissance soit détruit et annulé au nom de Jésus. Que toute prédiction qui a été faite contre moi, avec mon nom, ma date de naissance et l'empreinte de mes pieds et de mes mains, soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute déclaration faite contre moi durant un rituel pratiqué au lever du jour, au lever du soleil, soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute déclaration faite contre moi durant un rituel pratiqué au lever du jour et au lever du soleil soit brisée et annulée au nom de Jésus. Je brise tout ce que la sorcellerie a fait pour commander le jour contre moi au nom de Jésus. Je brise tout ce qu'ils ont fait pour commander l'année contre moi au nom de Jésus. Je brise tout ce qu'ils ont fait pour commander au mois de l'année de se retourner contre moi au nom de Jésus. Je brise tout ce qu'ils ont fait pour commander le soleil, les éléments, le feu contre moi au nom de Jésus. Je retourne contre l'envoyeur, le pouvoir du Dieu du soleil qui a été envoyé contre moi au nom de Jésus. Je retourne contre l'envoyeur, le pouvoir du Dieu de la foudre qui a été envoyé contre moi au nom de Jésus. L'Éternel des armées est Dieu au-dessus de toutes les créations. Il est le Père céleste. Que tout esprit de la foudre envoyé contre moi retombe sur son envoyeur et le détruise avec effet immédiat au nom de Jésus. Que tout esprit de tonnerre qui m'a été spirituellement lancé retombe contre son envoyeur et la batte immédiatement au nom de Jésus. Que toute arme mystique forgée contre moi retourne contre le cœur de son envoyeur avec effet immédiat et le détruise au nom de Jésus. Que toute arme de l'eau forgée contre moi retourne contre l'envoyeur et l'écrase au nom puissant de Jésus. Que tout sacrifice qui a été fait contre moi durant un rituel effectué par la sorcellerie au lever du jour soit brisé et détruit au nom de Jésus. J'ordonne que toute pratique faite avec mes photos soit détruite et annulée au nom de Jésus. Que toute chose par laquelle les gens m'en veulent sans raison valable et me retiennent soit brisée au nom de Jésus. Je brise toute chose qui me retiennent au fond d'un puits et d'un cimetière spirituel et m'en libère au nom de Jésus. Je brise toute corde ou chaîne avec lesquelles je suis spirituellement lié, retenu et attaché au nom de Jésus. Je brise toute corde et chaîne avec lesquelles je suis spirituellement retenu, lié et attaché au nom de Jésus. Que toute chaîne attachée spirituellement à n'importe quelle partie de ma vie, de mon corps et de mon âme soit brisée au nom de Jésus. J'ordonne que tout ce que la sorcellerie a dit et fait contre moi et qui font que toutes mes années se répètent sans aucun changement soit brisé et annulé au nom de Jésus. J'ordonne que tout ce que la sorcellerie a dit et fait contre moi et qui fait que toutes mes années se répètent sans aucun changement soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je brise toute malédiction des perpétuels recommencements et j'ordonne à mes projets de progresser au nom de Jésus. Seigneur, si j'avais déclaré que je ne voudrais plus jamais quelque chose et que la sorcellerie utilise cette parole pour me combattre, je brise cette parole et je l'annule au nom de Jésus. Seigneur, si j'avais pris une décision qui se retourne contre moi aujourd'hui parce que j'ai changé d'avis, je brise les conséquences de cette décision au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit qu'un homme sera justifié et condamné par ses paroles. Si c'est parce que j'ai refusé quelque chose que je ne l'obtiens pas, alors que maintenant je la désire, pardonne-moi pour mes propres paroles au nom de Jésus. Seigneur, si ce sont mes propres paroles qui sont en train d'agir contre moi, pardonne-moi au nom de Jésus. Seigneur, brise toute malédiction qui m'affecte parce que je suis revenu sur mes pas au nom de Jésus. J'ordonne la destruction de toute pratique magique qui paralyse mes chances et je l'annule au nom de Jésus. J'ordonne la destruction de toute pratique magique qui paralyse mes chances et l'annule au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi si je me suis attiré des malédictions en refusant une personne, en la rejetant oralement, publiquement, et en faisant le serment de ne plus jamais collaborer avec elle
Pardonne-moi pour toutes les malédictions que je me suis attirées. Bien-aimé, cette parole, c'est une prière que je suis en train de formuler pour les gens qui prennent des décisions lorsqu'ils sont fâchés. Il y a des femmes qui disent, cet homme, je ne veux plus de lui. Je ne l'aime plus. Je ne voudrais plus de lui. C'est fini. Et demain, quand la colère passe, elles reviennent sur leurs paroles et font comme si rien n'était. Et il y a des hommes qui disent, non, plus jamais vous allez me voir marcher avec celui-là. Plus jamais vous allez faire ceci, plus jamais vous allez faire cela. Et un beau jour, quand ils oublient leurs paroles, ils reviennent sur leurs pas et tentent de faire les choses du mieux qu'ils peuvent, mais sentent que tout est bloqué. Tout simplement parce que, par le fait de renier, de renoncer et de déclarer que vous ne voulez pas quelque chose, même si c'est une seule fois, le ciel vous ferme les portes à cette chose. À cette chose où votre propre parole va vous bloquer, fermer les portes à cette chose et la repousser. Du coup, si demain vous changez d'avis, que vous revenez et que vous ne parvenez pas à retracer vos propres paroles pour les briser, votre parole vous condamne car il est écrit, vous serez justifiés et condamnés par vos propres paroles. C'est pour ça que la Bible déclare qu'au jour du jugement, chacun rendra compte pour ses propres paroles. Beaucoup se sont fermés la porte au succès en disant « Non, moi je ne veux pas ça. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Non, je suis fatigué. Je ne veux plus d'homme dans ma vie. Je ne veux plus de femme dans ma vie. Je ne veux plus me marier. Oh non, non, je suis fatigué. Oh non, ce monsieur, je ne l'aime plus. Non, non, cette femme, je ne l'aime plus. Je ne veux plus de toi. Je veux que tu me laisses tranquille. Non, 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 je veux vivre sans toi. » Quand ils sont en colère, ils disent tellement de choses que le ciel prend en compte, que les esprits prennent en compte. Et le diable sait tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a refusé, tout ce qu'on a rejeté. Et demain, après avoir essayé en maintes reprises et échoué, on revient sur nos pas en oubliant toutes les déclarations que nous avons faites. Et du coup, on se dit, Seigneur, où est le problème? Tout simplement parce qu'on s'est fermé les portes sans le savoir. Cette parole concerne une personne qui certainement se retrouve dans ce que je viens de dire. Et le but, c'est de l'aider à se défaire de ses paroles. Répétez avec moi, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les déclarations que j'ai faites et délivre-moi de leurs conséquences au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour tout serment que j'ai fait et que je n'ai pas respecté et délivre-moi de ses conséquences au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour tout engagement que j'ai pris et dont je n'ai pas respecté les clauses que je me suis moi-même fixées. Seigneur, pardonne-moi pour tout engagement que j'ai pris et dont je n'ai pas respecté les clauses que je me suis fixées moi-même au nom de Jésus. Seigneur, débloque toute situation que ma propre parole a bloquée parce que j'avais fait des déclarations au nom de Jésus. Seigneur, débloque tout projet que ma propre parole a bloqué parce qu'au départ, je ne voulais pas et que maintenant je suis revenu sur ma parole. Seigneur, délivre-moi de mes problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous venez d'écouter l'écrivain conférencier évangéliste Éloge Ekissi depuis Nancy, je suis de passage. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque fois que je suis de passage dans un pays, je me tiens debout ou je suis debout des nuits et je fais des prières en faveur des enfants de Dieu partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous avez été l'un ou l'une des bénéficiaires de cette prière qui consistait à combattre l'ennemi. Alors, le thème de cette prière, c'est « Prière de combat spirituel ». Si vous avez apprécié ces prières ou vous les avez aimées, ces prières ont été tirées de mon livre « Né pour combattre le diable », un livre de 293 pages d'enseignement du combat spirituel. C'est l'un des meilleurs livres de combat spirituel parce que c'est un livre avancé qui a été écrit sur la base de l'analyse de beaucoup d'autres livres de combat spirituel d'où j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient aux enfants de Dieu. Alors, pendant un an, j'ai travaillé d'arrache-pied pour rassembler tout ce qui manquait à la maison de Dieu, aux enfants de Dieu, je veux dire, à l'église, aux églises et autres, pour que les gens puissent vraiment maintenant attaquer leur véritable problème. Donc, si ces prières vous ont vraiment touché ou vous ont fait du bien, sachez que vous pouvez en avoir plus en vous encœurant mes livres, en vous appropriant de mes livres, je veux dire, en ayant ces livres. Voilà, je vous ai donné juste un petit bout de ces prières qui vraiment me tenaient à cœur. Alors, pour avoir les livres, vous pouvez tout simplement visiter mon site internet au www.elogeekissi.com. www.océandesgrâces.com. Allez-y tout simplement sur internet et tapez océandesgrâces.com, site officiel. océandesgrâces.com.
ou bien vous pouvez m'appeler directement au téléphone pour commander mes livres en faisant le 001-438-995-4109. Je répète, 001-438-995-4109. 001-438-995-4109. Voilà, j'ai des livres qui pourront vous aider. Mon but, c'est d'équiper les enfants de Dieu, de les aider à atteindre leur but, à gagner leur bataille et autres. Parfois, lorsque les enfants de Dieu viennent voir un pasteur, le pasteur dit, bon, il faut prier, mais écoutez, monsieur le pasteur, c'est parce que cet enfant-là n'a jamais appris à prier qu'il a des problèmes. Alors, quand tu lui dis, va prier, il va dire quoi à Dieu? Il ne sait rien. Il ne sait même pas prier. Il y en a qui font que des récitations. Il y en a qui ne récitent que le psaume 91. C'est tout ce qu'ils savent. Alors que le monde spirituel est tellement vaste que quand tu es ignorant, tu meurs dans ton propre combat. Alors, pour remédier à cela, je veux équiper les enfants de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu aussi écrivent des livres, mais moi, j'ai décidé vraiment d'écrire des livres qui touchent à ce que nous vivons de nos jours et pour aider les enfants de Dieu. Alors, si vous voulez vous approprier ces livres, vous n'avez qu'à aller sur mon site internet www.elogekissi.com ou bien océandegrâce.com. Abonnez-vous, créez un compte et profitez des enseignements de ce site. Et aussi, en plus, vous pouvez vous procurer de nos meilleurs livres comme Protection maximale et Né pour combattre le diable, Comment prophétiser, et aussi un livre d'enseignement qui vous donne vraiment les moyens pour réaliser tous vos rêves, vos buts et autres, Comment activer le pouvoir de l'automotivation. Et encore, il y a l'un des livres qui va sortir bientôt, d'ici quelques mois, Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, voilà, au lieu de garder mes secrets pour moi seul, je vous les livre pour que vous soyez indépendants. Donc si vous voulez faire des prières puissantes, si vous voulez forcer l'ennemi à vous laisser tranquille, si vous voulez faire taire vos ennemis, si vous voulez montrer à l'ennemi que trop c'est trop, je reprends le contrôle de ma vie. Avant j'étais ignorant, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais maintenant je sais comment combattre, alors je me défendrai, je me protégerai. Alors à vous de décider. Aussi, je suis en direct les vendredis, dimanche et mercredi, à l'exception des jours où je suis à l'étranger. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous protège. Si vous avez aimé ces prières, je prie pour vous alors que vous êtes en train de partager. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Mon numéro encore, c'est le 001-438-995-4109. Si vous voulez recevoir des prières, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour dire « Je veux recevoir des prières audio ». Et quand vous m'écrivez, identifiez-vous, dites votre nom et donnez-moi votre nom pour que je puisse enregistrer votre numéro. Voilà. Ou si vous avez vraiment besoin de prier, j'ai des centaines de prières sur YouTube, sur mon site internet. Voilà, tout au plus, connectez-vous quand je suis en direct pour prier. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, Éloge Ekissi. Éloge Ekissi, depuis Nancy, je ne suis pas de France, mais je suis de passage en France. Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté et bonne nuit. Ciao.